Bonjour à vous tous. Bonjour à toutes les sommelières et tous les sommeliers en herbe. Alors, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des vignobles entre amis. Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi et comme tous les vendredis depuis plusieurs semaines, eh bien, nous allons parler de vin. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler du produit en lui-même, mais nous allons parler plutôt de la petite chose qui est juste à côté de moi, du bouchon. Alors, vous savez que tous les vendredis, tous les mercredis, pardon, on parle de la vigne. On parle des maladies, on parle de la façon dont elles poussent, et aujourd'hui nous allons parler, comme je vous disais, du bouchon. Alors je vous invite à aller voir les autres vidéos et en particulier à cliquer sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo là, ou le bouton s'abonner. Comme ça, vous allez recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons faire sur cette chaîne. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui du bouchon, puisqu'il intervient dans la mise en bouteille. Alors, pourquoi il a de l'importance? Alors, vous savez que les bouchons en liège représentent 80% des bouchons qui sont utilisés pour la mise en bouteille du vin, parce que, pourquoi je vous dis 80% et non pas 100% d'ailleurs, parce que il y a une date importante, en 1983 exactement, il a été inventé le bouchon en plastique reconditionné. Alors, le bouchon en plastique, c'est des bouchons qui sont utilisés sur certains vins, comme des vins blancs secs par exemple, qui vont rentrer dans la fabrication du vin. Alors, je vous rappelle une vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps et dans laquelle je vous parlais de l'importance du travail du vin. Et je vous disais lors de cette vidéo, eh bien, je vous disais que le vin, ça ne se résume pas au travail du raisin dont nous parlerons d'ailleurs dans les prochaines vidéos, puisque nous allons bientôt parler des vendanges. Alors donc, je vous disais que le travail ne se limite pas au travail des grains de raisin. Mais le vin continue à évoluer, continue à vivre, même une fois dans les bouteilles. Donc c'est là qu'intervient l'importance du bouchon. Pourquoi? Parce que pour les vins qu'on va dire des vins de garde, c'est-à-dire des vins que l'on va pouvoir stocker, que l'on va pouvoir mettre dans la cave, c'est souvent d'ailleurs des vins rouges, par exemple. Eh bien, les vins vont avoir besoin d'un matériau pour boucher la bouteille, un matériau qui va laisser passer l'air et qui va continuer à laisser le vin travailler avec tous les éléments qui l'entourent. Alors d'ailleurs, je me permets une petite histoire qui me revient à l'esprit. C'est mon grand-père qui a aujourd'hui encore quelques bouteilles de 1874, c'est-à-dire un siècle et 40 ans. Eh bien, le processus qui a été utilisé, c'est de reboucher les bouteilles, donc de faire les niveaux, mais aussi de changer les bouchons en liège qui ont été utilisés au cours de ces années-là. Eh bien, c'est un processus où tous les bouchons étaient changés,
ce qui fait que le vin a continué à travailler et a bien évolué au sein des nombreuses années. Alors, je vous disais, donc aujourd'hui, il y a 80% des bouchons qui sont des bouchons en liège. Pourquoi? Parce que il existe donc pour certains vins comme les vins blancs secs, les bouchons en plastique reconstitués. Alors pourquoi d'ailleurs on utilise ces bouchons sur les vins blancs secs? Parce que les vins blancs secs sont des vins qu'on ne va jamais faire en vin de garde, c'est-à-dire qu'on va les boire très rapidement dans l'année qui va suivre leur production. Alors encore une fois, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo et je vous invite à aller voir le lien que je vais vous mettre en dessous de cette vidéo, puisque nous avons travaillé avec Gauthier et Grégory pour vous proposer des vins de plusieurs régions de France pour que vous aussi vous puissiez déguster des vins de qualité. Alors ce sont des vins de producteurs avec lesquels nous travaillons et ce sont des vins, premièrement des vins de qualité et ensuite qui sont issus de vignes qui sont elles-mêmes cultivées dans le respect de la terre et dans le respect des valeurs qui sont défendues par les vignobles entre amis. Alors je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo pour que vous aussi vous puissiez profiter de ces produits. Alors je vous dis à très très bientôt, à mercredi prochain pour une vidéo où nous allons découvrir encore une fois les vignes. D'ailleurs, je vous invite tous à cliquer sur le bouton qui est aussi en dessous de cette vidéo, qui est le bouton s'abonner, pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons faire au cours des prochaines semaines. Et certainement des prochaines années, j'en suis sûr. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans tous les cas.